Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine qui démarre avec nous sur Road Trip Family. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Gabriel vient d'arriver de l'école. Et ça a l'air d'être une petite boule de nerfs, oui. Alors, elle ne lâche pas la tsem et ne veut pas aller avec la maîtresse. Sinon, dans l'ensemble, ça a été. Elle n'a pas trop pleuré, donc voilà. Là, on se rend chez Nanou. Au programme, Mélina fait son heure d'école aussi. On va essayer de travailler un peu des maths. Elle travaille déjà le français avec Nanou. Et puis cet après-midi, un resto du cœur. Et puis après, ça sera le restant de la semaine. As-tu quelque chose à rajouter, mon amour? Il fait froid. Il y a de la neige. On a bien envie d'hiberner. Mais bon. Allez, ça démarre tout de suite. Bienvenue à vous et à très vite. C'est mieux. Bon, on est sorti des restos du cœur. On était chez ma maman un petit peu. Parce que les trucs qu'on n'aime pas, on les lui donne. Donc là, j'y ai donné des yaourts de brebis. Et c'est tout. Et une tarte aux pommes. Tiens. Ah, ça y est, mais les clignots. Bon, je vais vous faire un retour vite fait. Donc on a eu deux flûtes. Attends. Ensuite, je vous pose, je vous reprends. Bon, j'ai eu 6 litres de lait. On a eu une petite poche avec des bonbons. Des mini hamburgers. On a eu 2 boîtes de 6 œufs. On a eu des soupes pour le chat. On en a eu 2. 2 boîtes de raviolis. Des tartines pour le petit-déj. Et des coquillettes. Et un paquet de quinoa. Allez, je vais ranger ça et je vous montre le reste. Donc ensuite, j'ai eu une pâte sablée. Je vais faire, je pense, cuire des légumes que j'ai eu. Des petits fromages. Eh oh, s'il te plaît, le focus. Tu vois, même à la lumière, ça marche pas, le focus. Des petits chèvretines. Comme ça. C'est super bon, j'en ai mangé 2 déjà. Des camemberts président en portion. On a eu des cordons bleus, il y en a 6. Du fromage blanc, 8 tranches de jambon. Un avec 0 nitrite. Et un comme ça aussi, sans nitrite. Et hop, de la vache qui rit. Et du bris. Ouais, du bris. Elle est tombée. Hein. Ok, le chat. Elle est là, cette demoiselle qui fait coraler. Donc, voilà. Et après, j'ai eu des légumes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, orange pour faire. Hop là.
Et j'ai eu la grosse poche de légumes avec des courgettes, un gros bac de myrtilles. Gabi, tu peux arrêter s'il te plaît. Des tomates, bon, elles sont un peu abîmées, pour dire la vérité. Et des pommes. Et un truc pour la potée. Donc, voilà. Donc avec tout ça, je vais faire des tartes. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Je vais me débrouiller et puis voilà. Bon, je vous laisse parce qu'il y a ça clignote là, juste en dessus là. Ça clignote, vous allez vous éteindre. Moi j'ai hâte ce soir d'aller dormir aussi. Donc voilà, et maintenant je vais tout ranger et puis que la soirée commence. Hello les boys, c'est moi qui vous reprends un petit peu. C'est l'heure du repas. Ce soir, comme on a eu des cordons bleus, ce soir on fait cordon bleu avec des frites à la air fryer. Voilà, donc on va bien se régaler. Gabrielle vient de mettre la table. Parce qu'elle aime bien mettre la table, cette demoiselle. Voilà. Et en général, c'est Mélina après qui débarrasse. Voilà. Tout le monde participe. Tout le monde fait un petit truc. Moi, j'ai fait la vaisselle avant. Ma chérie fait à manger. Et puis ce soir, en dessert, ça sera le fromage blanc maison. Bon, je pense que tout le monde a faim. Alors, ma chérie, elle me fait des gros yeux. Elle me dit, j'ai faim. Allez, à plus tard. Et coucou, on est mardi, 2 minutes, hein, je vous pose 2 minutes. Allez, encore des problèmes de batterie. Allez, je vous reprends, je change la batterie. Bon, c'est bon, je vous ai changé la batterie. Donc là, on est mardi, on est en fin d'après-midi, je ne vous ai pas filmé ce matin. Alors, je suis en train de faire à manger. J'ai coupé mes poivrons, mes champignons. Et entre les deux, il y a des oignons. Donc, hop, je viens de les couper. Une fois que ça sera cuit, je vais en mettre dans un petit plat. Un petit pot, un petit bol, un truc là. Que je vais mettre au frigo, comme ça c'est cuit, ça peut servir pour demain, après-demain, dans la semaine. Au moins c'est fait, j'ai plus à y penser. Ce soir on va manger un assortiment de indien. On verra bien. Avec des avocats. Et moi je vais faire un bouillon. Ouais, je vais faire un bouillon avec des pâtes dedans. Et puis voilà. Pour ce soir, ça sera très bien. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Je vous connais pas. Qu'est-ce que vous rentrez chez moi? Hein? Normal. J'ai vu de la lumière, alors je suis entré. Et puis bon, il fait bon ici, il y a une lutte à l'extérieur. Là, je me suis dit, est-ce que vous accepteriez de me laisser me doucher éventuellement? Non. Moi, j'ai non. Éventuellement coucher dans votre lit aussi, si c'est possible. Non, désolée, j'ai dormi ma fille. Alors, s'il vous plaît. Alors là, ça va être la guerre là. Là, c'est la guerre assurée là. Non, là, c'est plus drôle du tout là. Je me fais taxer ma place dans mon lit. Hein? Je veux même pas dormir avec ma femme. T'avais pas filmé toi ce matin? Non. Je crois pas. Si, peut-être, je sais plus. Bon, bref, tu feras les coupages. Bon, y a pas besoin de couper. De toute façon, ça suit comme ça suit. Mais si on se répète, on radote. C'est pas grave, c'est marrant. C'est la vieillesse. C'est ça. Bon, voilà. Alors, ce soir, je vais faire, je disais, avec les assortiments, je vais faire du... J'ai dit, on faisait le riz, c'est ça? Oui. Du riz avec des merguez que je vais couper dedans, mais bon, je vous prendrai, je vous montrerai tout ça. Et je vais même peut-être mettre la poêlée là que je suis en train de faire. Je vais voir. Je sais pas où je vais le garder pour dans la semaine. J'en ai aucune idée, mais en tout cas, ça sent méga bon.
Donc voilà. Là j'ai je peux te pousser? J'ai Doudou qui fait un dessin et j'ai Lily qui fait des divisions parce que madame n'a pas voulu faire à l'école à la maison ce matin, mais vu qu'elle veut jouer aux Sims, ben si elle veut jouer aux Sims il faut faire à l'école d'abord. C'est juste ou pas? C'est bizarre, elle s'y est mise d'elle-même. C'est juste ou pas? Bon allez, je vous prends un peu plus tard. Salut les copains, on est vendredi. Ben oui, vendredi. Pourquoi? Parce que ben, on a été pas mal occupé pour des choses personnelles qu'on expliquera bientôt dans une prochaine vidéo. Donc pour l'instant, je peux pas en parler, je peux rien dire. Mais sachez que voilà, il va y avoir un contenu spécifique qui sortira dans un petit moment sur la chaîne où on vous expliquera et on vous dira tout ce qu'il en est concernant notre petite Gabrielle. Et coucou. Bon, je vous prends encore pour faire des recettes parce que je vous prends que pour faire des recettes en ce moment hein. Donc là je vais faire un paillasson de lard au fromage, donc en gros un gros rosti, deux gros rostis. J'ai déjà râpé
mes pommes de terre à la main. Donc, après je vais rajouter un voire deux œufs, je vais voir comment ça va être. Après je vais faire cuire une moitié. Pareil, je mettrai l'œuf, la farine et je ferai cuire la deuxième moitié. Et avant de passer à table, je vais venir mettre ma poitrine ou lard, comme vous voulez. Je vais mettre ça. Après, je vais mettre peut-être... J'aimerais en faire deux au moins. Soit de la vache qui rit, je vais voir ce que je vais mettre. Gabi, arrête, s'il te plaît. Mais non, on touche pas. Et avec ça, eh bien, je sais pas ce que je vais faire. Soit je... Ah oui, je vais faire un bouillon. Et puis voilà. Pour ce soir, ça suffira. Un bouillon, un paillasson avec... de la poitrine fumée et puis ça ira. Il y a pas de salade en dessous. Non, il n'y en a plus. Puis on verra bien. Ah si, il y a les avocats peut-être. S'ils sont encore bons. Ouais, ils vont être noirs, je pense. Donc voilà. Bon, ben, je vous reprends peut-être. Ben, je vous montrerai tout à l'heure comment je fais. Ben, je suis désolée, je vous ai oublié. Donc je vous montre vite fait. Donc j'ai mis deux œufs et une cuillère à soupe de... Ah, la petite. Je disais, j'ai mis deux œufs et une cuillère à soupe de farine. J'ai mis dans celui-là, j'ai coupé le lard. Là, on le voit, là, il y a quelques petits bouts. J'ai coupé le lard, là, ça cuit tout doucement. Il faut bien aplatir. Et après, une fois cuit et tourné, retourné, forcément. Hop. On va sous la lumière. Ça donne ça et j'ai mis du fromage à hamburger, le orange là. J'ai mis ça. Et après quand celle-là sera cuite, je viendrai la mettre par-dessus. Comme ça le fromage il finira de fondre. Et après je couperai des parts. Et puis voilà. Et j'ai fait des coquillettes avec du fromage du boursin à l'ail. Et aux fines herbes. Donc voilà pour ce soir, ça sera ça, ça sera pas le bouillon au final. Hop. Ça va être bon. Donc là je vais le tourner parce qu'il me faut mes deux mains forcément. Et puis voilà. Bon, et quand on fait à manger dans un CC, il faut pas s'attendre à... Hop là, du bordel partout. Mais bon, c'est comme ça. Il faut s'y faire. Allez, je vous dis à toutes. Salut, on est dimanche. Et comme on s'ennuie, eh ben on va enfin attaquer ce qu'on a dit déjà depuis un moment dans des vidéos. On va tester de... On a vidé le placard déjà là, qui était le placard alimentaire jusqu'à présent. Vous voyez par là, là, comme ça. Qui est vraiment pas pratique au niveau alimentaire. La preuve. Elle est cachée là-haut. La preuve. Lily, s'il te plaît. La preuve, vous voyez tout ce qu'il y avait un peu dedans ce placard là. Et honnêtement, quand on a besoin de quelque chose, c'était franchement pas pratique. Donc, comme l'avait annoncé ma chérie, on voulait réhabiliter l'ensemble de ces placards là. Peut-être pas ceux de l'autre côté pour le moment, mais au moins tout ce côté là, c'est-à-dire le placard de ma chérie et le placard de Gabi, pour mettre les vêtements ici. Ce qui devrait pouvoir rentrer, bien rangé. On va voir. De toute manière, on va tester. Et comme ça, on va pouvoir mettre la nourriture dans les quatre placards qui sont là et les ranger par ordre salé, par exemple, tout ce qui est sec, boîte ou des choses comme ça. Et on va voir ce que ça va donner, on vous montrera le résultat par la suite, puisque de toute façon on est dimanche, on sait pas quoi faire, vu qu'il n'y a rien à faire. Le temps... Oh, tu permets, s'il te plaît. Elle veut descendre. Non, mais descend pas. D'accord. Il y en a partout, là, Mélina. Non, tu attends. Le beau temps commence à revenir, enfin il fait moins froid, en tout cas déjà, de ce côté-là, donc du coup...
bah, ça nous occupe un peu et puis c'est aussi utile en même temps. Voilà, ça permet de faire le tri dans le linge aussi, parce qu'on a des choses qui ne sont pas utiles. La chute. Et il y a quelque chose qui s'annonce et qu'on ne dira pas pour l'instant. Et qu'il faut faire du tri. Ah oui, oui, aussi. Il y a quelque chose qui va sans doute arriver. Je sais même pas moi-même. Je sais même plus. Ce qu'on a parlé avec tout à l'heure. Hein. Oui, ah oui, mais bon, pour le moment. Pour le moment, on parle tellement de choses, on a tellement de projets, tellement de choses qui se bouleversent. Que voilà. Pour le moment, je vous laisse. Je sais pas si je vous fixe ou si je vous mets sur trépied, mais bon, on vous montrera le résultat directement. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Salut à tous. Je vous reprends. Bon, en fait, je vais vous dire honnêtement, on est. Quel jour on est ? On est lundi. On est lundi et je vais clôturer cette vidéo ce matin là, tout simplement parce que je sais que je devais vous montrer hier la fin des placards et tout ça. Là, il y a eu un petit contretemps personnel entre nous, on a dû faire quelque chose et voilà, qu'on n'a pas filmé, quelque chose qui devait être, qui reste privé, d'ordre privé, ça arrive, c'est des choses comme ça. Donc je vous montrerai dans la prochaine vidéo qui sortira mercredi. Hein, comment s'organiser vis-à-vis des placards et tout ça. Bon, pour le moment on n'a fait qu'un côté, on a réaménagé le placard où il y avait l'alimentaire, une partie de l'alimentaire on l'a réaménagé pour mettre les vêtements, vêtements des filles, donc enfin des filles, maman et Gabriel. De l'autre côté, pour le moment, on n'a pas touché parce que, honnêtement, je pense qu'avec simplement les 4 placards, ça suffira. Mais vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. Je vais me faire un petit mémo et me le marquer de façon à y penser. Parce que c'est vrai que des fois, on vous dit, on vous montre ça. Et puis, en fait, on ne le montre pas. Et des fois, ça reste en suspens. Mais c'est comme ça. Malheureusement, il faut savoir qu'on filme, dans la journée. Mais on voit les grandes lignes, hein, c'est pas 30 minutes d'une vidéo qui peut dire comment s'est passé complètement la journée ou comment s'est passé 3-4 jours, ça c'est pas possible. Donc pour l'heure, je vous dis merci à tous d'avoir regardé. On va y arriver, à la troisième prise ça va être bon, je reprends à partir de là puisque ça a coupé, je suis désolé. Je voulais simplement vous dire qu'on est super heureux que vous soyez aussi fidèles sur notre chaîne. De plus en plus de monde est abonné. Pour nous, c'est peut-être pas grand-chose de 150 abonnés, mais pour nous, ça fait extrêmement plaisir. Ça nous motive encore plus à vous faire du contenu. Je sais que pour le moment, c'est essentiellement que de la routine, mais sachez que si tout évolue comme on le souhaite que ça évolue, on pourra vous proposer un autre type de contenu bientôt avec beaucoup plus de sorties, beaucoup plus de choses et j'espère franchement que voilà, on va arriver à cela. En attendant, si vous êtes juste de passage sur cette chaîne, merci de vous abonner ou simplement partager éventuellement. Si vous avez aimé, en tout cas, en général, on s'abonne, on clique sur la petite cloche de notification. Vous aurez au moins les notifications YouTube en général si YouTube veut bien vous les partager, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis n'hésitez pas à liker, nous mettre des commentaires si éventuellement vous avez des questions. N'oubliez pas que si vous avez des questions particulières, on attend d'avoir un certain nombre de questions et on vous fera une vidéo dédiée pour répondre à toutes ces questions. Voilà, en attendant, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo sur Road Trip Family. Ciao, ciao.